je veux m'excuser pour le geste que j'ai fait. C'est parce que c'est un geste qui se fait pas sur un terrain de foot, bien sûr. Voilà, je voulais m'excuser auprès des téléspectateurs, des enfants qui regardaient et surtout à mes supporters. Et que je vais revenir le plus vite possible à ma meilleure forme. J'ai reçu beaucoup de soutien, que ce soit de ma famille ou de mes amis ou même de beaucoup de joueurs à qui j'ai joué ou même des joueurs que je connaissais même pas qui m'ont envoyé des messages. Ouais, ça fait toujours plaisir, bien sûr, d'être soutenu comme ça. On a commencé le match et Roy Keane m'a mis un coup de coude pour commencer. C'était la première faute qui n'a pas été sifflée. Et j'ai été parler avec l'arbitre et voilà, il m'a dit qu'il ne l'avait pas vu. Puis il y a la première grosse faute, on va dire, sur moi, où voilà, ça aurait pu être aussi grave que la deuxième. Mais on va dire que c'était pas volontaire de la part du joueur. Il est venu vers moi et il m'a dit, il m'a largué, il m'a dit, il m'a fait t'es mort, est-ce que t'es mort? Tu veux une civière? Est-ce que tu veux une civière? Je vais te mettre dans la civière si tu veux. C'était pendant que j'étais par terre, après le premier tacle. Puis 2-3 minutes après, il est venu. Voilà, il a fait la faute. Il m'a regardé avec le sourire et j'ai même pas fait attention. J'avais tellement mal que j'ai même pas fait attention à ce qu'il me disait. J'entendais plus rien et je voyais qu'il me parlait, mais je sais pas ce qu'il disait. Je le voyais avec le sourire. Puis j'ai vu. Je vois que l'arbitre a mis la carte jaune et puis j'ai eu une réaction où je me suis pas reconnu moi-même. J'ai cru que c'était cassé vraiment puisque j'ai senti que ça a touché. J'ai senti l'os bouger et voilà, pour moi c'était cassé. Et ça m'a rappelé aussi un peu ce que j'ai eu à Genk il y a 2 ans et demi et je me suis dit... J'ai beaucoup crevé pour revenir et je me suis dit encore, voilà, passer encore 6 mois, 1 an sans jouer pour revenir sur le terrain encore crevé comme je l'ai fait, ça aurait été difficile. Voilà, c'est un tout qui a fait qui m'a amené à faire cette réaction peut-être. Voilà, une réaction pour moi qui se fait pas sur un terrain de foot, mais voilà, c'est une réaction. C'était pas, j'ai pas pensé à ce moment-là, c'était, on va dire, c'était pas moi.